la cité de la Muette, à Drancy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 63 000 Juifs sont partis d'ici, essentiellement vers Auschwitz. Le camp était gardé par 300 gendarmes. Parmi eux, Camille Mathieu. En août 1941, lors de la première rafle, il avait 26 ans. Les images d'horreur le hantent encore. Souvent, la nuit, je jetais du haricot. Aujourd'hui centenaire, l'ancien gendarme a du mal à s'exprimer, mais sa mémoire reste intacte. J'ai tout de suite eu conscience de la terre et de ça. Il a souhaité aider des familles dans la mesure du possible en transmettant du courrier, principalement de la nourriture et des médicaments. Et ma femme, moi. Camille Mathieu et sa femme Denise ont aidé 3 internés à s'échapper. En 1976, le couple a reçu la médaille des Justes parmi les nations. Camille Mathieu est le seul gendarme de Drancy à l'avoir obtenu. Le titre de juste n'est accordé qu'à 3 conditions. La première, c'est qu'il faut des témoignages directs de personnes qui ont été sauvées. Ça, c'est une condition absolument indispensable. La deuxième, c'est que la personne ne doit avoir tiré aucun profit de l'acte de sauvetage. Et la troisième, c'est qu'elle doit avoir pris des risques et elle doit avoir été consciente des risques qu'elle prenait en sauvant des Juifs. Pour avoir désobéi, Camille Mathieu a été radiée de la gendarmerie en 1943. Les Juifs qu'il a sauvés sont devenus des amis proches. Mais Gérard, le fils de Camille, n'a compris que récemment ce qui les unissait à ses familles. Toute cette histoire ne nous a pas été racontée jusqu'aux années 95 ou 98, lorsque M. Eppelbaum a écrit un livre sur cette période. Les enfants n'avaient rien à voir, si vous voulez, ce que je l'avais fait. C'était ma conscience à moi. Une modestie que le journaliste Didier Eppelbaum a constatée chez tous les justes qu'il a rencontrés au cours de ses enquêtes. Eux considèrent que ce qu'ils ont fait est tout à fait normal. C'est quelque chose qui coulait de source pour eux. Ils n'avaient pas sur le moment, et même dans les années après la guerre, l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Camille Mathieu est le dernier gendarme encore en vie à pouvoir témoigner de ce qu'il s'est passé à Drancy. En tout, les justes comme Camille ont permis de sauver des centaines de milliers de personnes en Europe.